Salut, chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. Et le cours d'aujourd'hui va porter sur comment faire ce logo. On va voir ensemble comment faire ce logo. Mais ce qui est plus important, c'est comment faire ce logo avec Word. Vous n'avez pas besoin de Photoshop ni de notre logiciel. Juste avec Word, c'est très facile. Et je vous assure que si vous suivez jusqu'à la fin du cours, vous serez en mesure de faire ce logo. Que vous ayez une chaîne YouTube ou bien vous avez besoin d'une photo profil WhatsApp de votre compte Instagram ou bien TikTok, ou bien juste vous êtes un curieux qui veut savoir comment faire des logos avec l'ordinateur, vous êtes au bon endroit. On y va ensemble. L'aventure commence. Récemment, j'ai fait un tuto sur comment faire un diplôme avec Word. Et c'était un succès parce que beaucoup l'ont fait et me l'ont envoyé par WhatsApp. J'ai vérifié, j'ai apprécié, c'est formidable. Continuez comme ça. Et tout se passe sur la chaîne YouTube Ibrahim Ngom Attitude. Sur cette chaîne YouTube, vous allez apprendre l'anglais et l'informatique en même temps. Il y a 116 vidéos pour le moment, ça c'est la 117e vidéo normalement. Mes contacts sont là si vous avez besoin de flyers, d'affiches, de badges, de cartes professionnelles, de publicités pour votre entreprise, une nouvelle école. Ok, je suis votre homme. Et voici quelques variantes de notre logo. Ici, Aïssatou Bassimbom, Edouard Cherfaye. Vous pouvez même vous permettre d'ajouter des stickers, des images, des photos, des cœurs si vous voulez. Et là, je l'ai conçu pour ma chaîne YouTube Ibrahim Ngom Attitude Kina TV. On y va tout de suite, l'aventure commence. Allons-y. Ouvrez votre logiciel Word. Cliquez sur l'icône, l'onglet, sur l'icône Word. Et nous allons travailler ensemble. Voilà, je vais ouvrir une nouvelle page. La page s'ouvre et les vierges, vous allez en faire de même. Nous allons commencer maintenant le travail. Nous avons ici un logo et on va voir comment ce logo est fait. D'abord, il y a un cercle, un grand cercle bleu, un deuxième cercle plus petit. Blanc, un autre cercle dans le cercle blanc qui est rouge et un plus petit cercle, le plus petit, il est blanc et il est dans le cercle rouge à droite. On va d'abord commencer par les cercles. Le premier cercle, qu'est-ce qu'on va faire? On a ici notre page vierge. On va à l'onglet insertion. Cliquez sur insertion. L'onglet s'ouvre, on va à forme. On clique sur forme. Et on va choisir évidemment la forme circulaire, le cercle. On va dessiner le cercle ici. Voilà, on l'a dessiné. Je vais augmenter un peu les dimensions. Mais attention, c'est un peu trop. Je pense que ça suffit comme ça. Ok, j'ai mon cercle. J'ai mon premier cercle, c'est le cercle ici en bleu et je vais mettre la couleur bleu clair. Vous voyez ici, vous avez l'onglet accueil, insertion, création, mise en page, référence, développeur. Et ici, vous n'avez pas l'onglet format ici. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cliqué sur une forme. Mais dès que vous cliquez sur une forme, l'onglet format s'affiche. Vous allez à format remplissage. Et on va choisir la couleur ici. Pour moi, c'est la couleur bleu foncé. C'est très joli. Ah, vous pouvez choisir la couleur noire, la couleur rouge, jaune, orange. Ça dépend de votre projet. Donc, bleu, c'est réglé. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va dessiner le cercle blanc ici. Mais on va dessiner ça dans le cercle bleu, tout à fait à droite. On y va. On a deux possibilités. On peut copier ce cercle-là, le coller et le redimensionner, ou bien aller directement à insertion, encore une fois, forme, cercle, on dessine le cercle,
ici d'une manière très bien. Et là, sur les côtés, on va augmenter la taille, le diamètre du cercle jusqu'à avoir, voilà. Okay. Pour mieux voir, je vais mettre d'abord ça en blanc. Et pour mettre aussi le cercle en blanc, je vais cliquer sur le cercle. Je vais à format, remplissage, couleur blanche. Couleur blanche, c'est réglé. Voilà, j'ai mon cercle. Et là, pour mieux voir, est-ce que le cercle est tout à fait au milieu? Regardez cette partie-là en bleu et celle-là en bas. Est-ce qu'elles sont identiques? Est-ce qu'elles ont la même taille? Je pense que oui. À vue d'œil, elles ont la même taille ici en haut, en bleu et en bas, en bleu. Je pense bien. Maintenant, on va passer au cercle rouge. Le cercle là, rouge. Même chose, on va à insertion, forme, cercle. Je dessine le... à droite aussi, hein, à droite aussi. On va mettre ça aussi à droite. Si vous êtes habile et inspiré, ça va marcher. Ne tremblez pas trop, les gars. D'ailleurs, pourquoi trembler? C'est juste un exercice. Ok, avec les flèches de direction, je vais me déplacer un peu. Voilà, avec les flèches de direction sur le clavier, je peux me déplacer en haut, en bas, à gauche, à droite. C'est fait. Je mets ça en rouge. De format remplissage, couleur rouge. Moi, j'ai opté pour la couleur bleu, blanc, rouge. Vous pouvez prendre vert, jaune, rouge. Vous pouvez prendre seulement deux couleurs. Mais je pense que trois couleurs, c'est mieux. Ok. Et il me reste un cercle, comme il y en a quatre. Le cercle blanc qu'on va dessiner dans le cercle rouge. Mais cette fois-ci, il sera à droite. Il sera placé à droite. On y va. Action. Même chose, insertion. Cercle, je dessine ça. Ok. J'amène ça ici à gauche cette fois-ci. Et regardez les proportions. Cette partie-là rouge en haut et cette partie-là rouge en bas, est-ce qu'elles sont égales? Si c'est le cas, à vue d'œil, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Franchement, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. C'est mon avis. Maintenant, reste à vérifier après. Ok. Ce sera la couleur blanche. Et là, je mets ça en blanc. On va vérifier, est-ce qu'il y a quelque chose à faire. On a les quatre cercles. Bleu, grand. Plus petit, blanc. Rouge, encore plus petit. Et le plus petit blanc, on l'a. Je vais enlever les contours. Ici, ça sont les contours. Le contour ici est bleu ou bien noir. Je vais enlever. J'ai pas besoin de contour. Je clique sur le cercle. En question, je vais à contour. Je mets sans contour. Le cercle rouge aussi, on voit nettement sa bordure ici, rouge. Je vais enlever, j'en ai pas besoin. Je clique sur le cercle blanc, sans bordure. Le cercle bleu, sans bordure. Okay. Qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Écrire DMATV, Duane Actu Media. On va mettre ça. On a ici deux possibilités encore une fois. On va sur insertion, soit on dessine une zone de texte, on peut dessiner ça, ou bien on prend une forme. Les zones sont plus faciles à manipuler, je pense, mais pour moi, je suis plus habitué à travailler avec les formes. Je prends une forme triangulaire que je vais dessiner ici. Je vais dessiner ça ici. Je dessine ça ici. Et encore une fois, comme il n'y a pas de mesure tellement, on va vérifier, est-ce que cette partie-là que j'ai laissée en haut en blanc égale à cette partie-là que j'ai laissée en bas? À vue d'œil, je dois baisser un peu, très bien, le triangle. Et maintenant ici, je vais écrire DMA, DMA, Duane Actu Media. Je vais cliquer, je vais faire un clic droit dans le triangle et je sélectionne ajouter, je clique sur ajouter du texte. Et là, je vais écrire DAM, Duane Actu Media. Et DAM, la couleur c'est rouge. Hein. Je vais à accueil. Accueil. Et je prends la couleur rouge. C'est bon. Donc j'ai Duane Actu Media.
J'ai vérifié cette police là, elle est très belle. La police du texte ici, la police c'est Stencil STD. La taille c'est 120 et la couleur c'est rouge. Je vais faire la même chose ici. Ok, je prends Stencil STD. Stencil. Ok, ça y est ici, Stencil STD. Ici on a 120. Mais vous n'êtes pas obligé de me suivre, hein, par rapport à la police et la taille de police. Tout dépend de votre inspiration, de votre projet. Ici, j'ai 110, ça suffit largement, 110. Et maintenant, avant de continuer, je vais changer le fond de couleur de ce triangle-là. Je vais mettre une couleur blanche, tout à fait blanc, pour tromper un peu vos yeux. Voilà, je mets ça en blanc. Je vais aussi enlever la bordure. Je clique et je mets sans contour. Voilà. Et là, je vais un peu mettre aligné à gauche. Je vais pousser un peu. Attention, voilà, ça suffit. Ça suffit. Donc, je peux... C'est bon, c'est bon. Et là, je vais ici en bas, je vais un peu diminuer la forme pour venir encore baisser ça un peu. Voilà. Ok, jusque là c'est bon les gars. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On doit écrire TV. On doit écrire TV. TV. Comme vous le voyez ici. Ici on a écrit TV. Ici le T, TV. On va un peu tricher. Je ne fais pas copier-coller. Ici, la police c'est Stencil STD. La taille c'est 72 et la couleur c'est bleu. On va faire la même chose. Donc, le V n'est pas apparu. Je vais augmenter un peu la forme. Voilà. Et je sélectionne TV. La taille, je pense que c'est 72. Hein? 72, c'est bon. La couleur c'est bleu. Je mets la couleur bleu. Et j'ai DAMTV. Restez jusqu'à la fin les gars, vous allez voir. Il me reste maintenant à écrire ceci, Diwan Actu Media, tout à l'heure. Et mettre les premières lettres de chaque mot en rouge, le reste en bleu. Qu'est-ce qu'on va faire? Même chose, on va aller à insertion. On peut commencer par une zone de texte. Bon, cette fois-ci je vais utiliser une zone de texte si vous voulez. Mais vous pouvez aussi utiliser une forme, hein, comme je l'ai fait avec DAMTV. Je vais choisir une forme. Je choisis une forme. Je suis plus à l'aise avec les formes. Les zones de texte là, j'aime pas trop. Voilà, je vais écrire ici Diwan Actu Media, tout en lettres. Je clique là-dessus. Ajouter un texte. Diwan Actu pour A, Média pour M, et je pense que la taille c'était combien? 48, on avait dit 48, hein? Bon, moi je choisis 48. D'abord la police, on va choisir Stencil. On peut aussi choisir une autre police, hein, mais choisissons la police là. Ok, je prends 48 pour voir si ça, si c'est trop petit. J'augmente, si c'est trop grand je diminue. Tout cas 24 26 28. Oh, 40 48, ce sera trop. Donc c'est déjà bon comme ça. 26 c'est bon, mais les écritures doivent être en bleu. C'est ce qu'on a ici, donc je vérifie ici, c'est écrit en bleu. Je reviens, écriture bleu, et je vais changer le fond là de la forme de cette zone là. Je vais mettre aucun remplissage ou bien blanc si vous voulez, mais je préfère mettre aucun remplissage. Mettez aucun remplissage. Et là aussi le contour ou bien la bordure, je vais l'enlever. Pas de contour, sans contour. Ok, voilà, c'est réglé, on dirait c'est réglé, ouais. Bien sûr que c'est réglé. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le D là en rouge. Accueil. Rouge.
suivez bien. Voilà, M rouge. Très bien. Et maintenant, le reste, vous pouvez vous arranger à mettre ça au milieu. Si vous êtes habile, si vous ne tremblez pas, si vous ne buvez pas trop de café. Ok, c'est bon. Donc, on en est où par rapport à la... Voilà, au premier modèle. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Les petits traits là. Cette barre ici en bas et en haut. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va aller aussi à insertion, forme, et on va prendre un trait. Je prends ce trait là que je vais dessiner ici en haut. Vous verrez pourquoi. Je dessine ça ici en haut. Normalement c'est en rouge, hein? La barre est rouge ici, rouge, rouge. Ok, je mets ça en rouge. Je vais à contour. Je mets ça en rouge d'abord. Ensuite je vais à contour encore pour augmenter l'épaisseur. Je prends cette épaisseur là, c'est bon l'épaisseur là, elle est bonne. Et comme j'ai besoin de deux barres, je vais cliquer sur la première, copier, la dupliquer, copier, coller. J'en ai maintenant deux. Je prends cette première là, j'en ai deux. Je prends celle là, je mets ça ici. Ok. C'est bon. Je vais voir par rapport à la, à notre exemple. Voilà, c'est bon. Et la deuxième copie, je la mets en bas. Je mets ça ici. Personne ne saura. Ok. Et c'est réglé. Nous avons notre logo Diwan Actu Media TV. C'est pas encore fini. Vous avez un logo, mais il n'est pas encore sous forme d'image. Les logos sont des images. Bon. Et pour transformer ce logo en une image, je vais ajouter une nouvelle page. Voici une nouvelle page. Voilà, une nouvelle page. Et je vais cliquer sur insertion, capture d'écran, capture. Je clique sur capture, capture d'écran. Et d'une manière aussi très habile, je vais encadrer avec ce petit témoin plus là, mon logo. Et là je l'ai capturé jusqu'ici. Voilà, maintenant vous avez une photo. Cliquez droit sur le logo, enregistrer en tant qu'image. C'est fait. Et je donne un nom, logo DAM ou bien DAM logo. Et c'est réglé. Je mets ça au niveau du téléchargement ou bien dans mes images, dans mes documents. Enregistrer et c'est fini, c'est réglé. Maintenant, si vous voulez aussi faire ce logo en PNG ou bien à enlever le fond de l'image, un logo transparent, je vais aussi faire un cours sur ça, comment transformer une image en une image transparente. Donc, merci beaucoup les gars, merci d'avoir suivi ce petit tutoriel qui vous a été offert par Doumel Service. Be strong. Be strong.